Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bonsoir même, thank you pour le follow, NX Caris, bienvenue pour la grande et dernière soirée avant les playoffs de saison régulière. J'espère que vous m'entendez bien, les amis. Ce soir, il y aura des larmes, il va y avoir du sang, probablement sur les godasses, sur les souliers de quelques-uns d'entre vous. On va commencer tout de suite, parce que je vous l'avais promis pour les premiers qui étaient là, arrivé un petit tirage au sort. Voilà, on a décidé de mettre ça en place, le petit tirage au sort pendant le générique. Pour les premiers arrivés, on bloque à 10. En tout cas, ce soir, on a bloqué à 10. Et on va tirer au sort le winner. Eh bien, on est parti. Eh bien, c'est Tom Mercelance pour une carte PSN à 5 euros. Voilà, il rafle. Il avait une chance sur 10. Il y avait beaucoup de joueurs de Wu-Tang qui étaient là. Parce qu'il y avait Jesse Jackson, Kaiser, Sage Baby, Will Smith, Senzea, Tom Mercelance, Lacoste, Raph MB, Max La Menace et Max B59. Voilà, c'est Tom Mercelance qui remporte le premier giveaway de la soirée. Il y en aura pas mal tout au long de la soirée. Des petites cartes à 5 euros. On a décidé de diviser par deux pour en faire un petit peu plus. J'espère que ça vous va bien. On va commencer très très vite, les amis. On va rentrer dans le vif du sujet parce que ce soir, pour vous expliquer le programme, il va y avoir à partir de 22h10 la 29e journée avec les conférences et Saphir et Emerald qui vont se la donner. On suivra forcément les pérégrinations de certaines des équipes. Alors, pour la conférence Saphir, par exemple, on va suivre MGFC, Alliance, on va suivre Imateurs, on va suivre aussi Never Back Down, qui est quasiment qualifié pour les playoffs. Hein, mais en tout cas, voilà. Pour la conférence Emerald, on suivra SNM, pour qui ça va être compliqué. Ils viennent juste de se faire sortir en coupe VPN en plus, il me semble. SNM contre alors engagé dans une course folle contre les anciens. Et il y en a une autre des équipes. Je vais aller voir ça tout de suite, les amis. J'avais bien appris mon texte, mais je ne le connais plus. Avec qui vont-ils se battre? Il y a les anciens et il y a X et IV eSport, bien évidemment, qui a 5 points, compte 5 points d'avance sur SNM. Alors, on va aller voir du côté de la Coupe de France, parce qu'il y a un très joli NSN Samcro en apéro, pour boulotter là tranquillement en arrivant sur le stream. On va vous les passer tout de suite. On n'a pas les compositions d'équipe forcément, hein. Ils jouent ce soir, on va passer sur pas mal de terrain, donc c'est normal. Et on va vous mettre, voilà, le petit écran avec NSN dans les vestiaires qui va chercher à joindre Samcro. Alors, Samcro, c'est d'ailleurs NSN et Samcro sont les deux seules équipes. Il y a Bestou aussi, comme ils avaient un match en retard, enfin un match non compté encore sur leur feuille de match. Officiellement, on a décidé de pas les mettre encore, mais en gros, il y a deux équipes qui sont déjà sûres de leur place dans le tableau. Tableau que je vais aller vous chercher très rapidement. Et merci à Misa aussi qui est dans le coin, qui dit que les meilleurs buteurs, passeurs, défenseurs, gardiens, le plus de clean sheet, le gardien le plus sollicité vont gagner 2000 FAP, tous ceux qui sont premiers au classement. Donc ça, c'est magnifique. Je vais vous montrer aussi le tableau justement des playoffs. Tac, il arrive. Un joli tableau de playoffs qui nous a été préparé par Nex, notre bon Nex. Voilà, vous le voyez ici, on va réduire un tout petit peu. Il est magnifique. Donc, NSN déjà sûr d'être troisième de la conférence Saphir, Samcro déjà sûr d'être première de la conférence Emerald. Voilà, ce sont les deux seules équipes qui sont pour le moment placées. On peut dire que, je ne sais pas si vous voyez ma souris, ouais, vous la voyez ici, normalement, devrait être Bestou. Ici, ça va jouer entre Nantes et Thunder. Nantes qui compte 5 points d'avance, donc en gros ils ont un point à prendre pour pouvoir valider leur première place. Et ensuite, voilà, on va essayer de trouver l'ordre du placement. On aurait pu vous faire jouer, mais là, l'heure n'est pas au jeu pour ce soir. L'heure, il est à la grande bagarre pour ces playoffs. Et on va voir ce que ça donne du côté de NSN. S'ils ont commencé, oui, ça va commencer contre Samcro.
Je vous ai mis du son, un énorme son, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectateurs sur ce terrain. On va vous les mettre en gros. Sam Crow en noir, NSN en blanc. Et c'est Lynx d'ailleurs qui va nous faire profiter de ces images. Allez, Johan pour Soulja. Ça a évolué en 4-2-3 hein, du côté de Sam Crow. Deux très très bonnes défenses. Et aussi deux attaques monstrueuses. Il s'est fait une teinture de cheveux. Ou alors est-ce qu'il a retrouvé sa couleur naturelle? C'est Lucas Pérez, le numéro 10 de Sam Crow. Sam Crow donc avec Polienko qui joue en pointe. Lucas en numéro 10. Il y a Soulja à gauche et Feno à droite normalement. Milieu de terrain avec Mika. Eyas, j'ai pas vu qui était aligné en défense. Alors je crois qu'il y a Johan, hein, forcément. Je crois qu'il n'y a pas d'Anna ce soir. C'est Barry qui évolue défenseur droit. Et donc je pense que nous avons droit à un petit. Est-ce que c'est Kimura Lélé? Est-ce que c'est Lélé Juanito? Est-ce que c'est Juanito Kimura? Et on va relancer, vous inquiétez pas, des petits giveaways. Coucou à tous ceux qui arrivent tranquillement. Bobby qui récupère ce ballon, mais Soulja vient s'en emparer, a priori avec une faute. C'est une faute de Polienko, un peu plus tôt. Et donc la Coupe de France, cette Coupe de France, FFEFO, ce ballon est bon pour LSK, le ballon pour, non, pour Tony. On n'avait pas vu depuis un petit moment Tony repris par Juanito. Ouais, cette Coupe de France de la Fédération francophone de e-foot qui regroupe les sites Virtual Pro Gaming VPG, Virtual Pro Network VPN et EFA, eSport Football Association. Les trois se sont unis pour proposer ben voilà, cette Coupe de France. C'est le début d'une association entre les trois sites. Vous l'avez suivi aussi notamment avec les équipes nationales. Ouais, ce ballon est bon pour Soulja. Soulja, il a Polienko dans la profondeur. Et c'est Johan qui récupère. Attention à ce ballon qui va être perdu. Récupéré par Nas. Allez, puis Manson. Pour Trunks. Bobby. Tony en une touche pour Lynx. Allez, ballon perdu par Lynx, mais il va sortir. Les joueurs d'NSN vont le récupérer. Sam Crow, hein, pour la petite histoire, retour Tony Truant cette saison. Avec bah, certes un très très bel effectif, mais aussi bah, une vraie façon de jouer à eux, un vrai style. Battu, si je ne dis pas de bêtises, seulement une fois cette saison par Invictus, qui n'ont d'ailleurs pas réussi à battre, une victoire, un nul. Entre Sam Crow et Invictus. Yes! Toucher les ballons au milieu de terrain. Le ballon pour Lucas. Avec Polienko. La prise de balle de Polienko qui redonne à Lucas. Yes de l'autre côté là-bas pour Barry. Ouais, qui attend du soutien. Mais c'est Nemesis qui va sortir vainqueur de ce duel. Ouais, encore très très bon jaillissement de Yes. Le centre sorti par Kiri. Et Nessen qui va pouvoir se dégager avec LSK. Qui joue un peu plus bas que d'habitude à l'escage, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt Tony qui est aligné en pointe. Quoi, Ranichou qui vient d'arriver. Et Soulja encore côté gauche. Il a du champ souvent, Soulja. Le Soul, Lucas au 18 pour Mika. La petite balle sautée pour Feno. Le coup de tête de Feno. Phénoménal. Coup de casque de l'ailier droit de Sam Crow, l'ancien de Family Team, l'ancien d'Undercover, l'ancien des Estudiantes, Feno, qui a déjà ouvert le score plusieurs fois cette saison. Il fait pas une saison incroyable, hein, Feno, on va pas se mentir, mais toujours présent dans les grands rendez-vous. Et donc Sam Crow qui mène 1-0 face à NSN dans ce duel entre le premier de la conférence Émeraude et le troisième de la conférence Saphir. Normalement, c'est même pas normalement, hein, ils ne se rencontreront pas avant la finale, hein, des playoffs, tous les deux placés
dans une des parties de l'arbre, une partie différente de l'arbre. Un coucou à Val 7 de Bestou. Bestou, ce soir, ils ont un match contre Sam Crow, mais qui comptera pour du beurre parce que les deux positions sont connues. Bestou terminera deuxième de la conférence Émeraude. Sam Crow terminera premier, mais Val, lui, il a un petit coup à jouer aussi individuel. Je crois que c'est le joueur qui a marqué le plus de points si on compte but plus passe décisive. Si on fait le ratio avec le nombre de buts marqués par son équipe, il semble que c'est le joueur le plus influent de sa team internationale belge. Attention à ce ballon. Ouais, c'est une défense à 3, j'ai l'impression. Non, non, ils sont bien 4 hein, derrière. Soulja. Pour Juanito. Yass. Qui attend du soutien et a trouvé Soulja. Polienko. Dépossédé du ballon, c'est Nucci, Links. Ah, Johan, il fait une belle saison aussi. Johan, il a fait une très très belle saison. On reviendra après les matchs, hein, après le match de coupe, les 32 matchs de championnat qui vont avoir lieu dans un petit quart d'heure, 20 minutes. Et on reviendra après, en mode talk, en mode after, sur cette saison, faire un bilan. La majeure partie des managers ont été invités. Le ballon pour Nemesis sur le côté. La frappe de Nemesis, sortie par Kills. Le ballon va revenir. LSK, Nas. Ouais, c'est Mika qui va gratter ce ballon. La relance pour Polienko, mais le duel gagné par Trunks Meriem. Le ballon à droite pour Pheno. Petite spéciale Cruyff, le centre de Pheno, sorti par Trunks encore une fois. Et NSN qui va pouvoir poser le pied sur ce ballon avec Nemesis pour Tony. Tony pour Nas. Il y a du monde dans la surface. Et la faute de Barry qui est sanctionnée. Donc très bon coup franc. Mais c'est une faute intelligente de Barry. Ouais, le centre. Et Barry qui va pouvoir dégager en sortie de but. En sortie de but, en touche. Et c'est la mi-temps. Mi-temps donc sur ce score de 1 but à 0 pour Sam Crow. Ouais, Sam Crow qui a monopolisé le ballon dans cette première mi-temps. Le 3-5-2, ouais, c'est LSK qui a été positionné en 10 pour NSN. Pour ça que je le trouvais un petit peu bas. Allez les amis, on va se lancer un petit jeu. Carte PSN à 5. Tous les copains, tous les potos qui sont là. Pendant la mi-temps. Il est parti, donc il faut taper la commande. Point d'exclamation. eSport FA. Il ne sera pas capé celui-là. Hein. On va le lancer. Tout le monde peut jouer. Avec quoi Samino aussi, qui est là, Zenox. Invictus et les anciens. Alors Invictus n'a rien à jouer ce soir, mais les anciens, eux, ils vont jouer une partie de leur saison. Ils sont pour l'instant en sixième et dernier qualifié, dernier ticket pour les playoffs en conférence Émeraude. Ils ont 4 points d'avance sur SNM, c'est-à-dire qu'ils ont leur destin en main s'ils parviennent à s'imposer au moins sur l'un des deux matchs. Ils verront les playoffs. Maintenant, s'ils font 2 nuls, ça va se jouer peut-être à la différence de but si jamais SNM venait à gagner ces deux matchs. Voilà. Allez, coucou à ZPR Authentique, c'est avec Polo 44 qui est arrivé. Ouais, bon dégagement de la tête de Barry. Sam Crow qui met le pied sur la balle. Polienko. Pour Lucas. Ouais, quasiment frères jumeaux, là, tous les deux avec la même coupe. Je dirais deux boxeurs thaïlandais là, avec l'insigne de leur camp. Polienko pour Pheno. Sur le côté gauche pour Soulja, la frappe de Soulja. Sorti par les genoux de Kira. Ouais, Nucci qui gagne son duel de la tête. NSN qui va peut-être pouvoir se dégager. Dans le ballon récupéré par Juanito. Mais Pumanson, le Stéphanois qui est là. Et mauvaise relance un petit peu stéphanoise de Pumanson. Johan, ouais, ballon perdu. C'est rare lui aussi facilement. Lynx sur le côté, et voilà, Johan qui récupère la boulette, mais qui repère une nouvelle fois la chic. Coucou à Erkan, coucou à Shanks.
Je sens que c'est XIV. Hein. XIV ce soir a besoin. Ils ont besoin au minimum d'un point. Je pense que. Alors, si jamais il y a défaite, je vous le dis, hein, si jamais il y a défaite de XIV qui joue. Je vous dirai le calendrier tout à l'heure. Si jamais il y a défaite d'XIV sur la 29e journée, mais qui est en même temps, dans le même temps, victoire de SNM, il y aura une finale probable pour la qualification en playoff entre SNM et XIV pour la dernière journée. Si jamais aussi MGFC, je vous donne un peu les informations brutes, là, comme elles tombent, si jamais MGFC venait à battre Nantes sur la 29e journée et que le Thunder parvenait à s'imposer, il y aurait une finale aussi pour le titre de la conférence Saphir et la remontada incroyable du Thunder qui pourrait coiffer au poteau les hommes de Jesse Jackson. Ouais, tous ceux qui arrivent, coucou à vous. Il y a un jeu en place, un petit giveaway, ticket à 5 euros, ticket PSN à 5. Et pendant ce temps-là, Nas, lui, le ticket, il s'en fout. Il a envie de passer en coupe. Le vainqueur de ce match, je l'ai pas dit, le vainqueur de ce match affrontera le FC Nantes. Alors, si c'est Sam Crow, ça pourrait. Alors, de toute façon, si c'est l'une ou l'autre, ça sera un match qui pourrait être un classique de la saison. Nantes qui a joué déjà deux fois NSN en saison régulière. Et Nantes et Sam Crow qui sont. Pour le moment, les deux équipes qui ont fait, allez, avec Bestou et le Thunder, les meilleures impressions cette saison. Là, le ballon perdu par Lynx, mais récupéré par Bobby, son frère. Eloy. Trunks. Eloy encore. Ouais, bon travail défensif de Lucas qui va sauter cette balle pour Soulja, côté gauche. Le jeu en remise de Soulja pour Johan. Soulja, le petit scoop and turn, il était passé presque, mais Nucci a tout à l'expérience, grâce à ses grosses cuisses, a réussi à lui reprendre la boule. Le ballon qui revient sur Soul. Et encore Nucci. 73e minute, NSN va devoir essayer d'aller inquiéter Kills. Ils l'ont fait qu'une seule fois, hein, depuis le début du match. La maîtrise du ballon, complètement à l'avantage de Sam Crow. Ouais, Soulja, Johan, qui est encore très offensif, 1-0 sur son 15e. Et là, et attention au contre justement avec Tony, qui a tenté de trouver dans le dos. C'était Nas. Mais la belle belle couverture de Juanito, on peut se dégager avec Mika pour Feno. Polienko, ouais, ils ont pris le décalage. Polienko. Il a vu de l'autre côté. Soulja, contrôle de la poitrine de Soulja, la frappe. Et c'est Trunks Merem contre son camp, mais je pense qu'il va être accordé à Soulja ce but 2-0 pour Sam Crow. Ouais, j'ai l'impression que la messe est dite, à moins qu'il nous gratifie d'un retour façon PSG contre le Real, mais c'est un petit peu la même physionomie de match d'ailleurs, hein, avec NSN qui pour l'instant n'a pas vraiment vu de jour. Ouais, Polienko sur le côté, qui se balade, qui gambade. Ballon pour Soulja. Et c'est Bobby. Allez, il faut absolument que NSN puisse marquer sur l'une, peut-être cette action, si jamais ils veulent faire douter les joueurs de Sam Crow. Mais très très belle interception, elle vaut de l'or celle-là, de Mika. Ouais, Johan pose le pied sur le ballon, il attend du mouvement, du soutien. Et LSK à la récup. Lynx. Juanito. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Il y avait eu un sondage à un moment donné qui avait été lancé par UEFA, savoir qui allait être champion cette année. Non pas champion de conférence, hein, mais vraiment champion tout court. Ouais, le ballon pour Lucas, lancé comme un bolide. Ouais, il se fait reprendre en vitesse, Lucas, par Trunks. Qui allait être champion? Et ça avait été massivement du côté de Sam Crow. Équipe qui impressionne, hein, autant défensivement qu'offensivement. Nantes, de son côté, c'est plutôt défensif. Le Thunder, c'est plutôt très très offensif. Ouais, coucou à Nico Nino. J'ai cru voir que Nico Nino était free agent d'ailleurs. Je cherchais un gros défenseur d'expérience. Nico est là. Alors, Eloy.
qui va pouvoir ne va rien pouvoir faire. L'élimination de NSN, la qualification de Sam Crow, qui rencontrera donc, ça sera la semaine prochaine, la date est à définir, Sam Crow Nantes, les deux, le sélectionneur contre le coach de l'équipe de France, va lui donner un très 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 beau spectacle. On va laisser, alors on va peut-être pouvoir couper NSN. Peut-être passer sur un autre match où ça joue. Est-ce que ça a démarré? On va aller regarder du côté. On va couper le son déjà ici. Et on va aller regarder du côté de d'Alliance. Qu'est-ce que ça joue à Alliance? Non, Alliance, ça joue encore un match de. Un match de préparation. Allez, ben on va regarder des petits tableaux, les amis. On va se remettre en mode mosaïque. On va couper ce match et on va essayer de rentrer un petit peu plus précisément dans ce qu'on va voir d'ici une dizaine de minutes. Les matchs sont prévus normalement à 22h10 et 22h35. Ouais, Val qui nous dit ça me coûte très fort, effectivement. Donc, alors, point sur les classements. Il va falloir que je me l'ouvre aussi en même temps parce que ils ne sont pas super bons sur le petit écran de contrôle que j'ai. On va donc le classement de la conférence Saphir. Je vous l'ai mis en petit, je sais pas pourquoi, mais je vous l'ai mis en petit. Avec donc NBD, je vous le disais, première équipe entre guillemets qui est à risque, mais c'est celle qui est le moins à risque. Elle est quatrième. Troisième, c'est NSN. Vous ne le voyez pas sur ce petit tableau. Ils ont 60 points, NBD 53. Donc ils ont 4 points d'avance sur Alliance. Amateurs et 5 points d'avance sur MGFC. En gros, si NBD perd ces deux matchs, que Alliance, Amateurs et MGFC remportent chacun leurs deux matchs, eh bien, NBD ne participera pas au playoff. Donc vous voyez qu'il y a quand même une condition assez incroyable quand même pour qu'ils ne participent pas. Ils ont fait une remontada complètement folle. Là, déjà invaincu sur les 5 derniers matchs, mais je crois que c'est un peu plus invaincu sur les 7 ou 8 derniers matchs. Alliance, donc MGFC doit absolument gagner ces deux matchs, mais ils n'ont pas leur destin. Si, ils auront leur destin en main, parce qu'on va regarder justement ce que je vous ai mis au niveau du calendrier. Le calendrier, je vous l'ai mis là. Le calendrier avec. Non, là on est sur Émeraude. On parlait de Saphir. Calendrier avec la journée 29 des Saphirs. Et donc MGFC qui joue contre Nantes. Donc c'est quand même pas le meilleur des tirages pour eux. Alliance contre FRS French Soccer. Et on a NBD contre. Il me semble que c'est contre NSN. Et enfin Imateurs contre la Devil. Voilà le programme. Et donc il faut. Absolument, pour MGFC, bah, remporter son premier match. Si jamais MGFC perdait son premier match contre Nantes et que Imateurs et Alliance s'imposaient, ça serait terminé pour la conférence Saphir. Voilà. Pour la conférence maintenant, Emeraude, elles ne sont que 3. 3 pour 2 places, XCIV eSport. Donc je vous le disais, avec 46 points, 1 point d'avance devant les anciens, ils ont quand même une avance un peu assez confortable sur SNM. Si SNM perd l'un de ces deux matchs, ça sera terminé. Maintenant, SNM, ils ont un vrai, vrai, vrai coup à jouer parce que regardez le calendrier de la journée 29. SNM, ils reçoivent le FC Nyx qui est dernier. Donc normalement, on devrait compter sur une victoire de SNM. XCIV va jouer contre Restart, une équipe aussi mal classée, mais qui a réalisé une bonne semaine la semaine dernière avec notamment deux joueurs, je crois, dans la Team of the Week. Donc voilà, si jamais SNM venait à s'imposer et que XCIV venait à perdre, il y aurait une finale lors de la 30e journée. Mais attention, parce que dans cette équation, il y a aussi les anciens avec 45 points, 4 points d'avance sur SNM eFoot. Et les anciens jouent contre Poyos, leur premier match. Misa qui me dit, sors les tableaux de Prime, ils vont arriver, mon petit Misa. Ils sont là, tu me les as mis quelque part. Je vais les retrouver. Hop. Voilà les tableaux de prime. Alors, ce n'est pas les tableaux de prime, c'est les tableaux de prime. Je vais vous les monter au maximum. Je pense que vous les voyez maintenant. Pas encore. Il faut juste que. Hop. Voilà le tableau des primes.
Alors, il faut que je le comprenne, ce petit tableau, parce que notre ami Misa a bien fait les choses. Donc, du premier au sixième, vous le voyez, je vais vous montrer ici, du premier au sixième, ce sont... Alors ça, c'est les classements par conférence, vous voyez ici, hein, saison régulière, donc 10 000 FA pour le premier, 9 000 pour le second, 8 000 pour le troisième, etc., etc., jusqu'à 1 500 FA pour l'équipe classée 16e. Ça, ce sont les prix, les FA que vous allez gagner. Derrière, il y a des primes FA pour les deux premiers, 15 000. Pour du 3e au 6e, 11 000. Du 7e au 12e, 5 000. Et du 13e au 16e, 2 500. Ça correspond, les amis, à en gros les tours que vous allez jouer, soit en play-down, soit en play-off. Merci d'ailleurs, parce qu'elle est très jolie, cette petite affiche, très bien faite, sur un petit Excel. Comme ça marche très très bien. L'XP aussi, avec donc 10 000 XP à 1 500 pour les clubs, vous verrez que ça peut être très important pour l'EFC, l'eSport Football Challenge en fin de saison. Les 16 meilleures équipes seront qualifiées pour la grande fête, la grande dinguerie, avec uniquement des équipes qui joueront le titre à ce moment-là. Mais ça, on n'en est pas encore là, parce que pour le moment, nous sommes toujours sur la saison régulière, encore pendant 2 matchs. Et ça va être dingo, parce que je vous ai expliqué un petit peu les tenants et les aboutissants de cette histoire. On va pouvoir vous enlever, vous laisser le calendrier, c'est pas très très gênant. Et je vais aller regarder ce que ça donne au niveau des matchs. Alliance, qui est toujours dans son match amical. Le FC Nantes, ça a commencé ou pas? Non, c'est encore en match de préparation. Ils sont en train de se faire taper, d'ailleurs, les Nantais. On était sur les anciens. Restart, ça n'a pas encore ouvert. Et NSN, qui devrait jouer. Alors, je vais vous le refaire, hein, le calendrier. Ça m'intéresse. Il est là. On va se le mettre en plus gros. Le calendrier émeraude. Donc, 29e journée, on l'a dit. Les matchs à suivre. Regardez les buteurs après. Ça, c'est intéressant parce que ça n'a pas encore commencé. Les matchs à suivre. Donc, 29e journée, il y a un gros Bestoussam Kro. Il est énorme, ce match. Premier contre le deuxième. Vous pourrez aller le voir si vous le souhaitez. Mais il ne sera pas commenté parce qu'il n'y a pas énormément d'enjeux. Sam Kro sera premier, Bestou sera deuxième. Et donc, Ubitim contre la peste scapulaire. La peste, ils vont essayer d'aller accrocher la troisième place. Ils sont en bisbille avec Obsession. D'ailleurs, est-ce que c'est encore jouable? Je ne sais plus. SLM contre FC Nyx, j'en ai parlé. Most Wanted, qui va pas bien, qui revient bien, qui a battu la peste la semaine dernière et qui s'est remis dans le droit chemin. Contre Invictus, qui elle non plus n'a plus rien à jouer. Restart contre XIV eSport. Donc, je vous ai dit, pour XIV, c'est énorme. Il faut prendre a priori un point pour XIV pour être tranquille. Les anciens contre Poyos, les anciens feraient bien de gagner face à Poyos s'ils veulent assurer eux aussi leur place. Alors, je pense que d'ailleurs, s'il y a victoire des anciens et victoire de XIV, eh bien, il n'y aura pas de finale. SNM eFoot, forcément, sera éliminé de ses playoffs. Neox Pandore contre Orge Grand Poitiers. Neox, ils sont en forme sur cette fin de championnat. Et enfin, Obsession, Arras Gaming face à Dim Team. Dim Team, on pensait qu'ils auraient pu faire quelque chose au niveau de leur remontada, mais malheureusement, ils ont perdu un match qui était important. Alors, ouais, la peste peut prendre, on peut shipper la troisième place à Obsession, mais attention, la peste peut aussi, si jamais XIV l'emporte 2 fois et que la peste perd 2 fois. XIV pourrait leur ravir la place. Ils ont une différence de but de plus 2 quand la peste scapulaire a une différence de but de 36, de plus 36. Donc, bon, il faut pas. En même temps, je pense pas qu'ils puissent terminer égalité. Un coucou à Elro TV qui est toujours au taf du côté de son club de tennis. Eh bien, on le salue et on l'embrasse. Est-ce qu'on va faire ce tirage? Non, on va aller voir d'abord la conférence Saphir, exactement si voilà tout ce qu'il y a à jouer. Donc NBD ne peut pas terminer mieux que quatrième, mais ils peuvent descendre et ils pourraient, dans une alu complète, se faire sortir Black Bullet des playoffs si jamais il y avait un scénario rocambolesque. Autant dire que ça ressemble à, je sais pas, peut-être une chance sur à essayer de l'estimer, peut-être une chance sur 500, peut-être que MGFC gagne ces 2 matchs, dont un contre Nantes, que Imators gagne ces 2 matchs, que Alliance gagne ces 2 matchs et que NBD perde les deux. À combien vous évaluez cette cote, les amis? Alors, attention, parce que Ephemérite me dit, si Dim gagne 2 fois et que les anciens perdent 2 fois,
Non, il y a 7 points d'écart, l'ami. Il y a 7 points d'écart, c'est pas possible. J'aurais peut-être bien aimé, j'aurais aimé d'ailleurs qu'il y ait encore un petit peu plus de suspense, mais je pense que c'est pas possible. Effet mérite. Et Dim, en plus, ils ont une équipe qui a déjà 3 points au-dessus, hein, avec SNM, donc alors à moins qu'il y ait un souci dans le classement, mais je pense pas. Donc voilà, je vous avais dit qu'on allait voir du côté des classements des buteurs de la conférence Emeraude, avec toujours devant Tweets, le grand Tweets, qui aura mené bah, quasiment toute la saison régulière en tant que meilleur buteur. Alors attention, il pourrait perdre ce soir sa place, parce que vous verrez dans l'autre conférence, ça arrive. Dilagno, a priori, il ne sera pas aligné ce soir, ne pourra pas lui disputer ce titre. Il y a Alan de Dean Team, il y a donc le V7, Valentino avec 16 buts, Firmino de... Alors Firmino, il a changé maintenant, il est du côté de... Non, il est du côté d'Obsession, il a marqué pas mal de buts en 20 matchs, c'est assez incroyable, parce qu'il en a mis beaucoup aussi, il me semble, du côté du Thunder. Au niveau des passeurs, alors on va citer aussi quand même Nini, Bowest qui est là, Chizzy, Samigno, Muj, Neiza, qui fait une très belle saison, Portos, Thanos, Lazez, Sagi, Papounou, des anciens, Kadakop, plusieurs Team of the Week, Dinkal, le grand Cal, 9 buts aussi pour lui, Kira 93, et enfin Ronaldo d'Obsession Gaming, mais qui a filé à Nantes, les passeurs. Avec Pepe Vargas, toujours lui aussi, il aura fait toute la saison en tête des passeurs avec 16 passes. Et attention à Kadakop derrière avec 14. Le V7, je vous le disais, hein, encore un top 3. Passeur, 11 passes, donc 16 buts, 11 passes quand même pour le bonhomme. Ronaldo, il n'y est plus donc d'obsession. Il aura fait quand même lui aussi une saison, hein, pour l'instant, 14 buts, 14 passes, je crois, pour Ronaldo. MKLZ de Bestou, que vous voyez tout à l'heure, vous avez vu tout à l'heure dans le petit générique avec le petit piqué. Il y a Boes, il y a Souk, Gérard Crespo, Alan, Mino, Lucas PRS. Rooney, N'Golo, Pastore, Baroudi, Sagi, Principe, Imagine Balkan, Samigno et Ricord, ça fait du monde, ça fait pas mal de monde. Et allez, on va finir parce que je crois que ça n'a toujours pas commencé de partout. Il y a peut-être NSN qui a commencé, mais celui-là ne nous intéresse pas beaucoup. C'est NSN contre NBD. Si, il nous intéresse parce qu'il y a NBD et NBD qui a ouvert le score. NBD en noir avec Yassavastano notamment. Allez, on va repartir sur le classement, juste pour terminer, et on ira du coup sur NSN, NBD, parce que c'est le premier match qui nous intéresse, qui a commencé à 22h14. Le classement des buteurs avec Senzea, 26 buts en 28 matchs, et le Thunder qui plante un paquet de pions sur cette fin de saison. Alors, ce sont les deux meilleures attaques, hein, Thunder Hawk d'un côté, la Peste de l'autre. Il est talonné par LSK qui on a vu en 10 ce soir, et par Malikaz du Thunder, quelle attaque de feu, 47 buts à eux deux, je pense qu'il est content, Saken, numéro 1 de la draft. Il y a Tikos qui est là aussi de NBD avec 20 buts, il fait une très très belle saison, Martial Tikos. Dams de French FRS, 17 buts, Shane Junior, c'est Nelox, 17 buts aussi. Imgir, The Beast, deux joueurs de Vatos, Barça à la base, Dimaters, Mo77, Inc. Que MGF s'est pas remercié parce qu'il est en pleine bourre en ce moment. Dylan 59 d'Authentics, Totor, l'auteur de buts incroyables. Jonadis, Pierrick, Igman, Barclo. Ah, Braclo, attention, Braclo. Simplement 10 matchs, mais déjà 8 buts. C'est l'une des meilleures moyennes de buts par match. L'animal de Mars pour FRS French Soccer, Falcao 57, Sushit d'Authentics, mais qui a filé à Nantes. Donc il en a mis quelques-uns aussi avec Nantes. Et Kamoès avec Alliance. Allez, on termine par les passeurs. Avec Saken, le meilleur passeur à égalité avec Malikas, tous les deux 12 passes, mais 12 passes en 26 matchs pour Saken, donc un petit peu plus une plus grosse moyenne. Ares pour Imateurs, Dylan Pato pour NBD, Senzea aussi à hein, 26 buts, 10 passes quand même. Wix, Jesse Jackson est là, Papa et Tony, Kamoes, Sas, Dylan, Jonah, Tikos, Eloy, Kamikaze, Imgir, Silvino, SF Quinfri et The Beast. Voilà, on a parlé de tout le monde. Alors, où est-ce qu'on en est? On avait dit qu'on partait du côté de NSN, NBD, parce que ce match nous intéresse. Je crois que du côté de la restart, je vais aller... Pardon. Je vais aller me balader pour voir si il ne serait pas parti online. A priori non. Et je vous laisse les matchs tranquillement. En même temps, je vais faire mes... regarder où est-ce que ça en est au niveau des anciens aussi. Parce que les anciens qui n'ont rien lancé sont dans le coin. Non. La Devil qui n'a pas lancé non plus.
Bah dis donc les mecs, et donc il y a Alliance e-sport FC Nantes qui est lancé. Pardon pour les petits lags, il y a pas mal de live de lancé aussi. Et on va se mettre en plein écran. Oh, et le deuxième but! Deuxième but, les amis, pour NBD, ouais, qui validerait de la plus belle des façons sa place en playoff. Et en même temps, les amis, on va tirer au sort, tiens, pendant ce match. Voilà, mi-temps du match, 43e. Allez, on vous laisse à mi-temps, point d'exclamation, eSport FA. Si jamais vous souhaitez tenter de remporter une carte PSN à 5 euros. Allez, ça joue sur le terrain de la Devil. Non, ça joue sur. C'est aussi pareil, c'est un host. Et c'est parti, FC Nantes, MGFC. Je pense qu'on va aller sur FC Nantes, MGFC, parce que vous l'avez entendu, hein, si MGFC perd, ça va être très, très, très compliqué. Comme là, il y a 2-0, on va aller voir du côté de Nantes. 0 à 0 entre le FC Nantes en jaune, bien évidemment, couleur traditionnelle, et MGFC, l'équipe en forme du moment. En maillot bleu et rouge, ils ne se feront pas de cadeau. Le ballon pour Ronaldo. Ouais, repris par Kimpembe 92. Je vous enlève ça, les amis. Pour essayer d'aller trouver. Les matchs, ils ont peut-être été lancés. Sushit. AK-59. Tomer s'élance. Ouais, ballon perdu récupéré par Shax. Alors, est-ce que Ristart nous a lancé ça? Non, il n'y a rien du tout. On va aller voir du côté peut-être du Discord. Ouais, Ronaldo qui va récupérer ce ballon dans la surface, le petit coup du sombrero. Et encore un coup de tête de Kimpembe. Le centre de Jesse, la belle sortie de Nex. Bien joué. Il fallait voir aussi du côté des SNM hein, ce que ça donne. SNM qui est en train de faire 0-0 contre le FC Nix. Je vais me le laisser de côté, celui-là. Et l'ouverture du score d'MGFC, incroyable! L'ouverture du score des hommes de Jessim face au FC Nantes. Il y a une double importance et le tac de Tugaler qui malheureusement remet le ballon dans la course de l'attaquant. Il y a une double course, la course au playoff et la course à la première place au titre de la conférence Émeraude, de la conférence Saphir, pardon. Et c'est Wanch, donc le buteur. Est à la recherche, hein, je vous rappelle. Des images de Ristart contre XCIV. Ouais, ils sont en train de faire un partout contre Ristart. Donc pour le moment, il faudrait trouver. Pour l'instant, comme il y a 0-0 entre SNM et Enix, pour le moment, bah, XCIV et. Alors, pas les anciens. Attendez, ça ferait. Il reviendrait à 3 points si les anciens sont en train de perdre face à Poyos. On va aller chercher ce match-là. Désolé pour la qualité de l'image, les gars. Ouais, Mo 77 pour Gégir. Vanch. Et ballon récupéré par AK Tugal. On fera le tirage au sort après le match, ou peut-être à la mi-temps de cette salve de match, parce que là, ça va dans tous les sens. Le bon ballon pour Ronaldo. Ronaldo pour Jona. Il a vu Sushit là-bas sur le côté droit, qui déborde. Et corner.
Alors, on va essayer de chercher le stream de Poyos. Ah, je vous passe ici, les amis, parce qu'il y a un très gros coup franc pour XCIV. Ouf, c'est Chris 90 qui a trouvé l'arête. Ouais. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a eu? Non, il n'y a rien eu. On va vous les remettre parce que la grosse attaque et la super barrée. Deux annels à Canel. On va l'appeler Canel. C'est mignon. Un Z, un K, un 4, un N, un L, je sais pas comment on prononce. Donc je voulais aller voir le Poyos. Il y en a de partout. Hein. Il y en a de partout, les gars. Poyos face aux anciens. Est-ce que ça stream? Stream pas. Compliqué de les voir, les anciens, du coup. Peut-être sur le stream de Papounou. Ouais, la frappe sortie par Scannel encore. Ouais, c'est sur la chaîne de Papounou, hein, c'est pas mal. Ils vont se lancer contre Poyos, ce match n'a pas encore été lancé. Ouais, XIV, toujours à l'attaque. On va aller suivre plutôt XIV. Le match d'XIV, il faut plutôt se le mettre sur le côté. C'est le match de... Oh, il y a eu égalisation du FC Nantes. Égalisation du FC Nantes qu'on a raté, malheureusement. Et ce qu'il faut aller voir, c'est Monaco. Attention à Nelox. Oh, il y a peut-être un penalty ou il y a peut-être une faute derrière de Nelox. Nelox qui va se retrouver encore avec la boulette dans les pieds. On se demande comment. La frappe sortie par Nex. Allez. Monaco contre Nyx. Et 1-0 pour SNM. Attention. Donc on va suivre SNM pour l'instant, le MGFC qui n'est pas en très très bonne position avec simplement un nul contre Nantes. Mais bon, je pense qu'il serait OK. On va aller voir ce que font Imateurs et Alliance. Attention à Waldi. Superbe, 20, 944 et 2 à 0 pour Monaco. Je pense qu'on va pouvoir quitter ce match. Et aller voir du côté d'Alliance eSport. Tiens, Alliance eSport contre FRS French Soccer. S'il y a match nul dans cette rencontre, eh bien, ça va être statu quo. Alors, allez voir ce que donne. Alors, celui-là, on va peut-être se le relancer. Il galère un peu. C'est donc la mi-temps sur le score de 0 à 0. Et on va aller voir. Je vous ai dit du côté de Imateurs. Imateurs qui jouait, qui joue d'ailleurs en ce moment sa 29e journée contre la Devil. Et la Devil qui ne twitche pas. Bah, écoute, c'est plus compliqué. On va vous couper un peu le son de partout là. Celui-ci, c'est bon, il est coupé. Les anciens, ça n'a toujours pas démarré. NBD contre NSN, toujours 2 à 0. On va se faire un petit tour des stades. Alliance eSport contre FRS French Soccer, c'est 0-0. FC Nantes contre MGFC, c'est un but partout. XIV face à Restart. On vous laisse celui-ci. XIV face à Restart. C'est 2 buts à 1 pour XIV qui gagnerait son ticket. Et je me demande ce qui se passe au niveau des anciens là.
Le match qui n'a toujours pas été lancé. A priori, ils sont tous là. Non, il leur manque quelqu'un. Bah, il y avait Sinomé mais qui est plus là. Pour les anciens. Alors, j'espère qu'ils sont pas en train de nous faire le coup à l'envers pour essayer de voir ce que font les autres pour pouvoir jouer après. Ce serait pas ouf. Allez, pendant ce temps-là, Tugal, l'heure de jeu. Est-ce que dans le chat, vous savez ce qui se passe du côté d'anciens anciens contre Poyos? Allez, je vous avais dit que je faisais le tirage au sort, je vais le faire et je vais en relancer un derrière. Pour une carte PSN à 5 euros. Ouais, c'est Samino270, justement des anciens, qui remporte cette carte PSN à 5. Ouais, ça veut toujours pas lancer. Ils vont lancer au moment du dernier match, hein. Ouais, la frappe de Jesse Ronaldinho Gaucho qui double la mise pour le MGFC. Oh là là, ils vont reprendre de l'avance sur Alliance eSport. Si vous avez des nouvelles de Imateurs contre la Devils, on est preneur. Ouais, Bibito pour Sass. Ouais, très bon retour de FRS Binours. Enzo, notre bon Enzo, responsable des adhésions ici sur EFA, qui joue aussi au ballon. Allez, Bensogaba. Alors celui-ci, c'est celui qu'on host. NSN, qu'est-ce que ça donne contre NBD? Je pense qu'NBD a dû s'imposer. FC Nantes, mené par MGFC à la 73e minute. Il faudra aller voir du côté du Thunder si jamais ça gagne. Peut-être avoir une finale incroyable. Ronaldinho la frappe, bel arrêt de Manet Smarat. Alors, Ubi-Pest, on n'a pas trop été regarder l'éphémérite parce qu'il n'y a pas grand-chose à jouer. En gros, il n'y a que la PES qui joue la troisième ou la quatrième place. Et Samigno, pendant que tu es là, pourquoi ça part pas votre match? Est-ce que tu peux nous le dire? Ouais, ils n'ont pas voulu le lancer. Tiens, je vais voir ce que ça donne du côté du match de Saken. Ouais, Sundorok qui est en train de mener 2-1 contre Red Bloods. Donc, on aurait normalement une finale. Hein. Si Nantes ne marque pas une finale. Et pour le moment, Alliance est en train d'être menée. Allez, va rester 10 minutes dans MGFC Nantes. MGFC qui continue sa remontée folle. Qui est en train de réaliser ben, un résultat inespéré là pour pouvoir être encore dans la course sur la 30e journée. Ouais, Tomer s'élance. Attention, ce ballon perdu. Récupéré par Shax. El Mafioso. Limsa. Ouais, attendez, Limsa qui s'est fait bouger, mais l'arbitre a décidé de laisser jouer. Il va laisser peut-être une dernière balle pour les Nantais. Attention, Tom repris. Jesse. Aka. Kazé a dû monter d'un cran, je pense. Setch Baby. Tom. Ouais, Tom qui repère encore ce ballon-là. Ballon dans les pieds de Jonah. Ronaldo. Ouais, physiquement, il y a plus d'envie hein, chez les joueurs du MGFC. Mais Tugal à la réception qui repère le ballon, c'est brouillon. Allez, Vanche.
Pour Ronaldinho, R10. Sur le côté, pour Mo 77, le frère de Fafa. Et non, dans ce qui représente la dernière action et qui va aller tout de suite au ballot. Next qui va pouvoir dégager. Allez, tant que cette saison régulière se termine pour le FC Nantes, qui avait été tellement impérial pendant les 20 premières journées. Et derrière, chemin de croix sur les 10 d'après. Un parcours, je pense, d'équipe tout juste qualifiable pour les playoffs. Ouais, ce ballon est magnifique pour Wanch, qui va choisir petit côté. Le bel arrêt de Smarat. 3-1 pour le Thunder pendant ce temps-là. Ouais, Diggs qui est dans les tribunes, qui encourage son équipe. Ouais, Mo 77. Mais c'est terminé. MGFC sera dans le coup pour la victoire. Ouais, ça lance à peine maintenant là. Ouais, c'est un peu moyen. Lancé à 22h35 pour un match prévu à 22h10. Ça foire un peu tout le reste. J'espère que c'est. Allez, on va dire que c'est pas fait exprès. Allez, défaite de Nantes. En tout cas, on va avoir. Je vais garder la page de Nantes parce que on va vivre la fin du match Alliance e-sport contre French FRS. On va relancer ici pour vivre la fin du match avec Alliance en noir. Voilà, Co qui a du mal. On va peut-être baisser un petit peu. C'est un peu dur à 360p. Je pense que vous n'avez pas payé pour ça. 480, c'est déjà un petit peu mieux. Alors on va jouer les dernières, toutes dernières minutes. Alors, Imators versus la Devil, victoire 2-0 d'Imators. Donc, Imators, normalement, assuré d'être en playoff. À moins que. Alors, ça va faire 52 pour Imators, 50. C'est pas encore fait, c'est pas encore fait du tout. 52 pour Imateur, 51 pour MGFC et 50 pour Alliance e-sport. Ah, les résultats sont en train d'arriver. Et a priori, XCIV qui s'est imposé face à Restart, ils sont donc en playoff. Du coup, bah, ça va être les anciens contre. Contre Poyos, on va aller dessus. Hein. On va aller sur Ancien Poyos. Où est-ce qu'ils sont? Allez, c'est ici. On va les laisser tranquillement Alliance e-sport terminer son match. Et on va passer là sur les anciens contre PCS Poyos. Avec les anciens en. En maillot vert, blanc, rouge. 30e journée, on nous laisse encore Pierre Ménès bah, et Matou. Why not? Bravo à XCIV, en tout cas bravo à Neiza. Neiza, on le retrouvera tout à l'heure hein, en discussion avec nous. Donc ça se jouera entre les anciens et SNM. Donc alors le résultat des anciens, là, il est très 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 important. Et pour info, Nicovel Nantes s'est incliné face à MGFC. Ouais, Tété Lafirenz. Green Angel 92. Le ballon récupéré par Brick. Maestro, Papounou. Brick. Papounou, ballon contré par Francky Choco. Ouais, superbe Green Angel pour Lazez. Ozeni, il y a du monde qui vient à droite. Rooney l'a vu, non, il préfère s'en tenter tout seul et c'est Kyra 16 qui dégage.
Yes, face pour Brick. Ballon perdu par Brick, récupéré par René. Ouais, les anciens. En défense. Poyos en attaque. Firenze qui perd la boulette. Récupéré par Verratti. Papounou à droite qui la donne à Samignon. Une touche pour Brick. Brick, Papounou encore. Ouais, Green Angel qui a trouvé Rooney, Mada, Sino sur le côté. Ouais, les cheveux qui ont repoussé chez Sino. Ouais, les amis, pour tous ceux qui sont là, on va relancer. Petite carte PSN, ne vous inquiétez pas, il y a tout qui est noté. Allez, statistique avec Zeni, le centre de Zeni, la tête de la Zèze! Et l'ouverture du score! Hop, 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 hop! Ouais, c'est un but qui peut tout changer, mon petit chaton, parce que ça nous fait donc. Il y avait 4 points de retard pour Monaco face aux anciens. Si on en restait là, les Monaco a gagné, les anciens sont en train de perdre. Ça nous ferait donc. Ouais, ils vont réussir à égaliser là-dessus, non? Il y a un gros cafouillage, mais c'est Kev Block qui la sort. Ils vont revenir donc à un point des anciens. Et au niveau du calendrier, qu'est-ce que ça donne? Les anciens pour leur dernier match qui joueraient contre Dim Team quand SNM recevrait XCIV eSport tout fraîchement qualifié pour les playoffs. Voilà. Voilà en gros le deal. Et on va aller voir de l'autre côté si Nantes. Nantes Thunderhawk, ça a commencé. Nantes Thunderhawk pour donc le titre de la conférence Saphir. Assez ouf. Parce que je pense que Thunderhawk ont dû compter à un moment donné près d'une quinzaine de points de retard. Faudrait demander à Saken. Jusqu'à combien c'est descendu? Et du coup, il faudra aller voir. Ensuite, du côté de SNMXCIV, vous pouvez attendre un peu SNMXCIV avant de lancer. Essayez d'avoir les deux matchs le plus possible en même temps. C'est reparti. Les anciens sont donc menés. Hein. Surprise! Les anciens menés face à PCS Poyos qui n'a plus rien à jouer. Quand dans le même temps, Monaco SNM a battu le FC Nyx. Il y aura un dernier match Monaco XCIV et les anciens contre Dim Team qui, elle, non plus n'a rien à jouer. Mais je vous fais en mode radio. Le FC Nantes qui est en train de souffrir face à Thunderhawk. Il y aurait rien d'incroyable à ce que le Thunder finalement réussisse, vu les formes actuelles des deux équipes, réussisse à récupérer ce titre de la conférence Saphir. Attention à Samigno. Repris par Rooney, Lazèze, Green Angel. Sur le côté, et l'ouverture du score pour Thunderhawk par Senzea, les amis. Senzea vient d'ouvrir le score. Ils sont en train de réaliser le hold-up parfait, les joueurs de Saken. Ah, le favori qui est mené, vous avez complètement bien bossé vos fiches là, Ménès et Matou. Alors, Gomètre, Ubitim, Invictus, Zenox, j'aimerais beaucoup, mais là, il y a rien à jouer entre Ubitim et Invictus. Donc c'est juste que ça sera très compliqué. Il y a Ilias qui vient de mettre sa petite banderole pour Poyos. Go, 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 Poyos. Ils sont toujours menés, Pierre. Et c'est tout le stade ou presque qui se fait entendre. C'est vrai qu'ils sont quand même à la limite, hein, dans le qui joue, hein, par moment.
D'ailleurs, Senzéa qui revient peut-être dans la course pour le titre de meilleur buteur de FA. Toutes conférences confondues. On rappelle qu'il était à 26 buts après la 28e journée, avant les deux dernières. Et que Mathieu Sterpini, tweet, le Belge, était à 28. Allez, les anciens avec Ersoas, qui est venu remplacer au pied levé Ali. Ouais, le ballon est bon pour Papounou en une touche, mais belle sortie de. Alors, je sais plus si c'était Boulerot ou Petit Joe. Ouais, le ballon dans les mains de Kev Block. On va aller voir aussi du côté d'MGFC1 hein, ce que ça donne. MGFC face à NBD. Ouais, c'est mignon pour Yasuas. Ouais, SNM, si vous voulez une confirmation, les mecs sont pas très. Très réactif quand même. Confirmation. Attendez la fin du match ancien contre PCS Poyo sous la frappe de Papelou. Et l'égalisation de Brick. Oh, et ça change tout là. Ça peut tout changer. Brick 6. Un but partout à la 70e. Donc ça donnerait. Ça donnerait 2 points d'avance pour. Pour les anciens, bon, à la finale, ça change pas grand chose. Hein. Fallait surtout que les anciens gagnent pour être sûr. Ouais, Papounou pour Samigno, la frappe sur le poteau. Ouais, grosse, gros cafouillage. Et finalement, au bout de ce cafouillage, c'est Sino. Ah, bah là, par contre, s'il y a victoire, ça change tout. S'il y a victoire des joueurs des anciens. SNM ne pourra pas revenir. C'était le scénario noir pour SNM que les anciens et XCIV gagnent leur match et qu'ils ne puissent plus jouer leur chance pour la fin. Bon, attention à la Zèze. La frappe de la Zèze. Que Dieu que c'était important. Et pour info, MGFC est en train de faire match nul contre NBD. Il y en a de partout là. Alliance. Que fait Alliance? T'es en train de perdre contre NSN. Voilà, ça sent le sapin pour Alliance. Avec MGFC, pour l'instant, Alliance était donc la dernière équipe hein, de cette. Après la 29e journée, la dernière équipe de cette conférence Émeraude. Alors, peut-être que je dis des bêtises. Hein. Ouais, l'égalisation. Justement, l'égalisation d'Alliance e-sport, un partout. Sachant qu'il y a un partout aussi, MGFC. Ouais, c'est dingo. Il y en a de partout. MGFC contre NBD, c'est un partout également. Donc, pour le moment, Alliance. Faut aller voir du côté d'Immators. Non, Immators a gagné son match précédent. Donc, normalement, Immators, c'est bon. Ils sont en playoff. C'est vraiment entre MGFC et NBD, sachant que. Ah, ils ont peut-être que 2 points d'avance. Et qu'est-ce que ça donne du côté de Nantes? Je sens que c'est la mi-temps. Et 2-0 pour le Thunder. Thunder qui reprendrait peut-être. Mais c'est même sûr d'ailleurs. Ils avaient 5 points de retard avant les 2 dernières journées. Ils sont en train de réaliser ce qu'il faut avec Jesse qui va changer de tactique pour la fin. Un gros 4-4-2. Bien lourd. On est sur
Qu'est-ce qu'on va regarder? Alliance e-sport. Ce qui est bien, c'est qu'on a Ménès et Matou qui commentent pour nous. Ah, partout. On va aller voir du côté des anciens là qui sont en train de valider leur place. Allez, bien joué, Green Angel. Mais c'est terminé. La victoire des anciens qui donc se qualifient pour les playoffs. Au nez et à la barbe de SNM. Allez, on est sur NBD, MGFC, la deuxième période qui a démarré. Et on va couper quelques... donc les anciens, on n'en a plus besoin. Merci beaucoup. NBD, MGFC, c'est celui qui nous intéresse là sur le moment. Il y aura le Alliance aussi. Je crois que c'est chaud en plus pour Alliance là. Alliance NSN. On est 42e sur Alliance NSN. Et sur NBD MGFC, on est à la 50e. Donc voilà, c'est... Kif kif bourrico. Ouais, le ballon de Yass Avastano pour Ticos. On l'a dit 20 buts cette année! Et peut-être un peu plus, parce que là, quoi qu'il arrive, ça fait au moins 21. Mais peut-être plus si jamais il avait déjà marqué dans ce match ou s'il avait déjà marqué. Alors là, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous fait NBD contre MGFC. Donc MGFC avait un point d'avance sur Alliance. Donc normalement, ils sont à égalité. Ils devraient être à égalité. Alors si je me gourre, les amis, faites vos calculs aussi chez vous. Je n'ai pas la science. Infuse, je crois que c'est terminé du côté d'Alliance e-sport. Un but partout contre NSN. On va pouvoir couper ça. Et donc MGFC, je vais juste aller regarder les tableaux. Attention, Mo 77, 57e minute. Ouais, et le FC Nantes est toujours mené 2 buts à 0. La conférence Saphir va partir du côté de Thunder Hawk. Ouais, attends, je vais juste aller voir ce que ça a donné d'ailleurs du côté des SNM. Leur dernier match 0-0 contre XIV, ça vient de commencer. Pourront avoir des regrets les joueurs de... Oui, il s'est passé quelque chose. C'est le troisième. Aïe, 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 aïe. Troisième but. Pour NBD. Ouais, MGFC qui avait les cartes en main sur le dernier match. Et c'est peut-être Alliance qui va la faire quand même au métier. Ouais, Ronaldinho. Ils ont du cœur, attention quand même. Hein. Ils n'ont pas fait tout ça pour rien, les joueurs de MGFC, donc ils vont peut-être tout donner. Ah, ils étaient 7 en attaque. Donc c'est ça, ils avaient pour moi, MGFC avait un point d'avance sur Alliance à l'issue de la 29e journée. Ouais, Ticos, ouais, ça va être compliqué. En plus, il y a un goal à verrage qui est légèrement à l'avantage d'Alliance e-sport.
Donc je pense que c'est marrant pour MGFC. Quelle tristesse. Allez, on lâche rien, nous dit Diggs. Il va rester 20 minutes, mais là, 4 buts à 1, ça sent quand même un petit peu le pain poil âne. Ouais, Savastano pour Slayer 99 qui se la lève, mais Gégir à la réception. Mo 77. Ah, il faut marquer sur toutes les occasions là maintenant si on veut espérer revenir. Et voilà, c'est terminé, Maldini. Flacou. En 1-2, Ticos. Le ballon est revenu sur DMR. Allez, on va vivre la fin peut-être de Nantes. Parce que là, il n'y a quasiment plus rien à jouer. Ouais, Nantes non plus. Hein, il n'y a plus rien à jouer non plus. Parce qu'il y a déjà 2-0 pour le Thunder. Et avec en plus peut-être le chant du cygne. Il va falloir se remobiliser pour les Nantais. Pour ces playoffs. Et le Thunder qui apparaît comme un énorme outsider. Il se cachait depuis le début de la saison, les hommes de Saken. Ah, et là, ça va pas la balle de Daka dans les talons de Jonah. Ouais, je disais, Imatters, ils avaient déjà 52. Donc ça fait... voilà, on va rester avec un point d'avance. Quoi qu'il arrive, le centre en retrait pour Freddy. Le ballon qui va revenir sur les pieds, sur les genoux de Senzer, mais qui malheureusement pour lui, le capitaine est hors jeu. Ça lui aurait fait un but supplémentaire. Ouais, Jeff. Et victoire du Thunder qui donc prend au nez et à la barbe du FC Nantisport le titre de la conférence Saphir. Jesse Jackson prostré au milieu du terrain. Allez, on va quitter. Ah, ils auront des choses à nous dire. On retrouvera Jess d'ailleurs. Bah, peut-être, hein, j'espère qu'on le retrouvera dans l'after dans quelques minutes. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a plus rien à jouer. Est-ce que vous êtes OK avec ça dans le chat? Je pense qu'il n'y a plus rien à jouer. Ah, dommage pour MGFC. Qui aura tout fait, dommage aussi pour SNM. Alors il y a autre chose à aller chercher, hein, la 13e place. Alors certes, c'est pas ce pourquoi vous leviez le matin, mais il y a quand même encore une fin de saison. Alors pour info, les playoffs, les équipes qualifiées pour les playoffs vont avoir une petite semaine de repos avant d'attaquer. Pendant les playdowns, tout ça va jouer. Et ensuite, on attaquera la semaine prochaine sur les playoffs. Ouais, Jesse qui vient d'arriver, qui vient de valider son petit ticket de loterie. Jurk aussi. Lys le Parigo également. Victoire donc de NBD qui termine en trombe. Regardez ça, Maldini heureux avec Dylan Pato, son capitaine. Dorment ensemble hein, régulièrement quand ils sont en déplacement. Même des fois à domicile, ils ont décidé de le faire. Ils trouvaient que ça leur portait chance ces derniers temps. Et bravo, bravo en tout cas à l'équipe de NBD qui aura réalisé une très très belle deuxième partie de saison. Ça va être beau, ces playoffs, ça va être magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Monaco contre XCIV, la fin du match. Le contre en restera là. Ils ont perdu le ballon. Bah, dis donc, ils avaient tous envie de jouer avec Matou là ce soir. Bonne protection de balle. Allez, le ballon qui est dégagé. Ah, Limsa déçu, forcément, pour MGFC. Mais qui peut quand même être fier de la remontée de son équipe et ça annonce du beau hein, pour la saison hiver. Peut-être réussir à nous faire un truc, à nous faire quelque chose. Il y a toujours un Allez, petit possession jeu, de les blocage. amis. Tapez point d'exclamation eSport FA pour tenter de remporter une carte Ouais, PSN à il est 5 très euros. précis dans ses passes. Et je vais aller me Ça placer profite de ce ballon. sur le Discord, dans un Ouais, des petits petit temps mort. vestiaires. Allez, là, seulement 2 minutes. Il cherche des solutions là. Allez, il y a du monde pour reprendre. Ouais,
était bien parti le centre, mais il n'y avait personne. Allez, ceux qui veulent rejoindre, on s'est placé tranquillement dans le vestiaire. Le premier qui a envie de venir faire un petit coucou, on pourra lui poser les questions. Et bon bah ce match où il n'y a plus grand chose à jouer malheureusement, ça aurait pu être une grosse grosse finale pour les playoffs entre SNM, eFoot et XIV eSport. En tout cas bravo à XIV eSport pour la qualif. Et hop, on va tranquillement pouvoir passer. J'ai dit qu'on allait faire le tirage au sort, vous avez vu, magnifique cette page de garde, ce wallpaper. Allez hop, on y est dessus. On va couper, on va enlever tous les petits trucs qui nous servent à rien. Le calendrier, tout ça, ça ne nous sert plus à rien. L'écran fenêtré ne nous sert plus à rien non plus. Les classements saphir, les classements émeraude, on va revenir dessus parce que ça va être beau. Les amis, vous êtes chaud qu'on tire ou pas? On attend encore un peu. Est-ce que vous attendez les potes? Parce qu'on tire au sort. Vous êtes assez nombreux, on va tirer au sort et on va partir. Après, tous ceux qui veulent nous rejoindre sont... Je me retrouve dans le vestiaire du bâtiment EFL, le vestiaire numéro 1. Donc Jesse m'avait dit qu'il passerait, peut-être que Anna va passer aussi, il y avait Neiza, il y avait Lynx qui devait être chaud. On va mettre un petit message au manager sur le Discord. Hop. Vous savez quoi, on va partir sur une petite pause, toute petite pause de 5 minutes. Oh, Jesse qui vient d'arriver. Jesse, coucou. Ben, j'imagine qu'il ne devait pas y en avoir une ambiance de folie dans les vestiaires. Ouah, tu sais. Comment dire? Mais bon, non, j'ai pas envie de les insulter maintenant. donc, c'est officiel, hein, je dis pas de bêtises. Le titre de la conférence Saphir, il est perdu pour Nantes. Hein. Ah bah ouais, deux défaites. Deux défaites, de l'autre côté il y a eu deux victoires du Thunder, donc une contre Nantes forcément, et puis une contre Red Bloods, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà ton... Allez, on va commencer par toi, vu que t'es là. Hein. Ton bilan... Ah bah, tu sais ce qu'on va faire, mon Jess? Le bilan, voilà, j'aime bien le faire comme à la télé. Le bilan de Jesse Jackson du FC Nantes, qui risque d'être un petit peu grinçant, juste après une courte pause, les amis. Et puis, s'il y a des managers qui sont dans le coin, n'hésitez pas à venir et on vous recevra avec grand plaisir. À tutti, à tout à l'heure, mon Jess. Yeah.
Allez, de retour les amis, merci d'avoir patienté. Les matchs sont en train de se terminer tous autant qu'ils sont. Donc vous avez pu voir la victoire de XCIV face à SNM. Ils n'auront pas de regrets. Alors ils l'ont peut-être joué aussi un petit peu plus par-dessus la jambe ce match, les joueurs d'SNM. Donc peut-être qu'ils ne se seraient pas passés de la même manière si jamais ils avaient été encore in the hunt, comme on dit, à la chasse. A priori, les anciens sont en train de mener contre Dim Team, donc eux aussi vont faire 6 sur 6. Voilà les amis ce qu'il en est. Merci à Misa qui me donne les premiers de la conférence. Alors vous aurez probablement les tableaux qui vont arriver durant la soirée. Juste derrière, hein, les amis, après le petit after là, il y aura l'extra time de Tatane. Donc c'est le début de l'extra time. Hein. Vous avez eu les flash infos pendant toute la saison régulière et là on anticipe sur le procédé qu'il y aura pour les playoffs avec donc les extra time à la fin de chaque soirée. Ils vous expliqueront ce qu'il y a. Donc merci à Nex hein, qui a terminé son match avec MGFC qui malheureusement est éliminé de cette course aux playoffs et qui quand même vient faire les petits classements où il ne verra pas le logo de son équipe. On est triste pour lui mais on le remercie quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il y a du monde qui est arrivé dans le vestiaire? On a du monde, on a Jess, on a Erwan, on a Siméon, notre responsable Discord aussi qui est venu faire un petit tour. On avait dit qu'on commencerait avec. Alors, on va commencer déjà. Premier truc, on va commencer par Jess. J'espère que tu m'entends, Jess. Je sais pas si tu es là. Ah, si, je suis là, Il ne s'est pas endormi. On va tirer au sort le vainqueur du giveaway qui était en cours. On va en relancer un juste derrière parce que vous êtes chaud bouillant. Vous êtes 50, ouais, un petit 2%. Un petit 2% pour l'un des 50 qui est là. Et c'est OBP, le défenseur du Thunder, qui remporte cette carte PSM à 5 euros. Bravo à toi, OBP. Magnifique ce que tu as fait. On va en relancer un tout de suite. Donc, eSport FA, le point d'exclamation. Et on va pouvoir demander à notre ami Jess Jackson ben, ce qui s'est passé. Quelle était l'ambiance dans les vestiaires à la fin? Tu m'as dit c'était. T'as pas dit grand-chose. On va passer sur le bilan maintenant, Jess. Bilan de cette saison régulière pour le FC Nantes. Parce qu'il devait arriver, arriver. Hein. Donc, ça fait quoi, 3 semaines. On en parle depuis quand? 3 semaines, un mois. Je te dis que ça va, ça descend, ça plonge de plus en plus. Voilà, hein, y a pas de miracle. Hein. Les mecs n'ont pas envie de jouer. Ça va jouer à Call of Duty toute la semaine. Ça n'a pas envie d'allumer FIFA. Ça se ressent dans les perfs de l'équipe, tu vois. Mais Donc, est-ce que le ça bilan. progresse à Call of Duty, c'est la question. Ah, franchement, je vais pas te mentir, je m'en bats les couilles. Mais voilà, non, mais après, non, y a eu des erreurs y a eu des erreurs dans le management. On a fait des erreurs estudiantes saison 1. Tu vois, on n'a pas recruté quand on sentait que ça pouvait lâcher. Et du coup, bah, on n'a plus trop de solutions. Mais voilà, maintenant, on a donné à Thunder, on a donné à nos amis de Thunder, on a dit prenez. Tenez, vous en voulez pas, mais prenez quand même, nous on n'en veut pas. Et donc voilà, la première place qui nous échappe alors qu'on était dans un fauteuil. Il y a eu combien de points d'avance pour Nantes à un moment donné, au maximum, Bah, tu on sais ou était pas? jusqu'à 9, je crois. Bah là, 9, avant les deux d'accord. dernières semaines, on avait 9-10 points d'avance. Après le match contre Thunder, voilà, mais Thunder était constant, c'est toujours pareil. Un championnat, de toute façon, un championnat, ça valorise les équipes qui sont constantes. Tu vois. Et donc, tu vois, Thunder a fait une saison en toute constance. Ils ont suivi le rythme quand on était dans des moments forts et ils ont continué à gagner même dans leurs moments faibles. Tu vois. Bravo, hein, c'est mérité. Et donc, voilà, là, pendant en gros, là, une semaine, je vais dire à tout le monde de ne pas toucher FIFA. Tu vois. Ouais, parce qu'il y a une semaine entre guillemets, de vacances ou de repos pour Ouais, l'équipe qui défait en play. va nous rester une qualif en Ligue des Champions. Bon, on est déjà qualifié au prochain tour pour Ligue des Champions. Donc, on va même potentiellement la faire sauter. Pas jouer. Et après, il restera un match de Coupe de France contre Sampro à Calais. Ça va être le seul match de la semaine, la seule session de la semaine, je pense. Et Ok. voilà. Ok. Il y a Erwan qui est là, il y a Siméon qui est là pour l'équipe de Vatos.
Alors, on va commencer par Erwan qui a enlevé le petit micro. Alors, Erwan, t'as pas mal bougé cette année. T'as terminé où la saison, Erwan? Ouais, salut You. Ouais, donc ouais, là je finis la saison avec UB Team. J'ai décidé de quitter Emetteurs et là voilà, je finis la saison avec UB Team. Ok, donc c'était une fin de saison où il n'y avait pas grand-chose à jouer pour Ruby. Vous avez fait quoi? Je sais qu'il y avait un match contre Invictus ce soir. C'est quoi les résultats du soir pour vous? Ouais, ben on a fait un 2-2 contre la peste, on gagnait 2-1, on prend un but à la 92e. Et là, on vient de gagner 1-0 contre Invictus. D'accord. Ok. Donc Voilà. 2-2 et donc 4 points pris pour UBI Team. Ton bilan de la saison pour toi, alors t'as fait Imators pendant une bonne partie de la saison et qu'est-ce que t'as pensé de cette année toi de FA pour toi Erwan? Bah, j'avais pas trop de temps de jeu à Emetteurs, donc je peux pas trop parler des équipes qu'il y avait en face, mais je trouve que ce qu'on a fait au niveau des flash info, et tu vois ce que je parle du web TV et tout ça, donc c'est vraiment c'est cool ce qu'on a fait, c'est un peu l'avenir du club pro qu'on joue, et c'était vraiment très belle saison, et j'espère qu'on va continuer comme ça sur les playdowns et tout ça. Ok, là je vous ai affiché les amis, je sais pas si vous êtes devant l'écran, je vous ai affiché le tableau final des playoffs. Merci à Nex pour sa rapidité, le gardien de but de MGFC et puis membre de notre staff en tant que rédacteur. Et là il fait un petit peu tout, Nex. Alors, le premier tour avec dans le tableau du haut, les anciens contre NSN. Ça va être magnifique. De toute façon, ils sont tous beaux. Les anciens contre NSN. La peste. Donc, les anciens contre NSN, c'est le sixième de la conférence Émeraude contre le troisième de la conférence Saphir. On a la peste contre Imators. Donc, choc entre le quatrième de la conférence Émeraude et le cinquième de la conférence Saphir. En dessous, on a XAIV Esports contre NBD dans un match entre deux équipes qui sont plutôt en forme, qui ont bien terminé la saison. Et enfin, Obsession Gaming contre Alliance. Alliance qui s'est fait peur, qui a failli sauter sur la dernière journée, mais qui valide quand même son ticket dans les 12 premiers de cette première saison de FL Automne et qui donc jouera contre Obsession Gaming. Au niveau de l'avancement de ce tableau, donc le vainqueur des anciens contre NSN affrontera Bestou. Le vainqueur de La Peste contre Imateur s'affrontera Thunderhawk. Le vainqueur de XAIV Esports contre NBD rencontrera Samcro. Et enfin, le vainqueur d'Obsession Alliance rencontrera le FC Nantes. Est-ce que tu as un favori, Erwan, toi qui est pas de qui malheureusement ne sera pas dans ce tableau final, est-ce que tu as un favori? Bah, j'aimerais bien qu'Emetteurs passe quand même, ça serait cool. Mais après, si quelqu'un devrait gagner le FL, pour moi ça serait la peste, parce que j'ai franchement le jeu de la peste et ce qu'ils font, j'aimerais bien que la peste gagne. Pour continuer cette invincibilité, gagner 4 fois le championnat, ça serait beau quand même. Ah, ça serait incroyable. Et puis là, bah là, le parcours de la peste, faudrait qu'il tape Imateurs, faudrait qu'il tape Thunderhawk, faudrait derrière qu'il tape bah, Bestou, les anciens ou NSN, et enfin derrière Samcro, Nantes, Obsession, XAIV. Ouais, ça ferait un très très beau parcours. Je vais mettre un petit merci à Nex qui m'a envoyé tout ça. Merci Erwan, reste dans le coin, hein, on va tourner aussi en même temps. Il y a King Wanted bah tiens, qui vient d'arriver, King Wanted pour SNM qui doit être ultra déçu. Je sais pas si tu nous entends, Flo. Tu es mute pour le moment. C'était peut-être moi qui t'avais muté. Mais là, je t'ai démuté, donc là, tu peux parler normalement. Mais c'est toi qui es mute sur ton micro, Allô? Flo. Ouais, voilà, Flo, il est là. Il avait du mal à trouver le bouton. Bon, Flo, c'est soirée, sale soirée. Ouais, on est venu dans l'optique de passer pour les playoffs, hein. On a fait beaucoup d'erreurs dans la saison. Là, ce soir, c'était l'objectif playoff. On a fait un match contre Knicks, FC Knicks, où on a fait un bon score. On a gagné 5-0. On s'est dit, bon, allez, peut-être une petite chance de gagner. Bon, après, on a su le résultat avant le match de XIV, donc on n'avait plus trop. On s'était un peu fini dans la tête. Mais bon, c'est pas grave, hein. Saison prochaine, on espère. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées.
dans cette saison. Elle se termine quand même plutôt pas mal. Ou pas. Au vu des problèmes internes, oui, c'est sûr. Mais bon, après, l'objectif de c'était les playoffs. Là, je suis un peu déçu. Bon, après, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein, c'est comme ça. Ok, Flo, et le but du jeu, ça va être de recruter ou t'as déjà ton effectif pour la saison prochaine Je sais pas encore. On est en pleine discussion là avec plein de monde. Je sais pas trop, on verra ce que le futur amène à SNM ou pas, et voilà. Ok. Je te remercie, Flo, tu peux rester toi aussi aussi longtemps que tu veux. Toi, est-ce que t'as un favori d'ailleurs pour la victoire? Bon, pour moi, sans discussion, ça sera Saint-Cro, je pense, hein, vu les prestations qu'ils font. Hein, c'est vraiment l'équipe la plus stable et la plus en place cette année. Ils sont clairement au-dessus de tout le monde. Après, je sais pas. Après, je suis pas trop intéressé au jeu en saphir, un peu ce qui se passe. Mais en tout cas, en émeraude, je sais que Saint-Cro, ils sont largement au-dessus de tout le monde. Après, voilà, j'espère pour eux qu'ils vont aller le plus loin possible. Hein. Pour moi, c'est les favoris à mes yeux. Ok, bah, je pense qu'il y avait pas mal de monde qui était aussi de ton avis. J'ai vu d'ailleurs que c'est une sale soirée, je crois que vous avez sauté aussi en coupe, non? Coupe VPN un peu avant contre Downs eSport. Au penalty, bon, c'est pas super important. Hein. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu. Hein. On n'était pas déjà, il y a beaucoup un baisse de morale de tout l'effectif là. Et c'était surtout sur nos résultats récents là, des dernières semaines. Il y avait une grosse baisse de morale, beaucoup de gens indispo, alors qu'on a dû finir vraiment le championnat avec très peu de dispo. Et voilà. On s'est accroché jusqu'au bout, on a espéré quand même les playoffs jusqu'au bout. Et voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, merci en tout cas d'être passé, Flo. Bah, enfin, reste, hein, on va continuer à discuter un petit peu de ce qui se passe. Jess, je vais pas te demander qui, pour toi, va remporter ce championnat, parce que bon, t'es encore dedans, mais à ton avis, qui va s'imposer en haut du tableau? Non, parce que bon, t'es encore. La partie, c'est quoi la partie? Attends, j'ai plus le stream. Là, Thunder. Ouais, Thunder. Thunder, après attention à NSN. Après pour le reste, Thunder ou NSN, je dirais. D'accord. Gros Thunder et NSN sur un malentendu. Alors tiens, je voulais aller voir justement du côté du Thunder. Il y avait un petit truc qui m'intéressait. C'était essayer d'aller regarder les derniers résultats de l'équipe parce que je crois que c'est assez incroyable. Ouais, ils sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va le mettre ici. Ils sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 victoires, dont 6 clean sheets quand même. Avec quelques valises. 3-0 contre Wuteng, 5-0 contre Lyon-la-Duchère, 5-0 contre Vatos. Et donc là, ils ont gagné 2-0 contre. Ils ont pris un but contre Red Bloods. Donc en gros, ils en sont à 8 victoires d'affilée. Pour le Thunder, alors là normalement on devrait quand même avoir du monde qui va arriver parce que les sessions sont en train de se terminer un petit peu partout. Flo, Jess, qui vous a, vous êtes dans deux conférences différentes tous les deux. Le meilleur joueur de chaque conférence pour vous, celui qui a le plus brillé dans ta conférence émeraude, Flo, si tu avais un joueur à nous sortir, si vous avez du monde à dire dans le chat, allez-y. Franchement, après. Je sais pas si c'est un peu pour tous les GM comme ça, mais bon, moi je me suis plus concentré sur mon effectif. Hein, clairement, j'ai pas regardé, je dis la vérité, j'ai pas regardé les streams des autres équipes pour voir. J'avais les autres GM qui s'en chargeaient pour les avant-matchs, pour un peu regarder tout ça. Donc, moi personnellement, de mon point de vue, j'ai pas trop regardé un peu ce qu'ils ont fait tous. Bon, un joueur de ton équipe alors. Sur leur match. Vu que t'as regardé ton équipe, un joueur de ton équipe alors, vu que t'as regardé. Essentiellement mais moi c'est, je sais pas comment expliquer parce que gros là c'est grosse pensée à ma défense surtout hein, cette année hein, parce qu'on a été parce qu'on a eu un problème cette année, c'est on marque pas beaucoup de buts,
on marque pas beaucoup de buts, on en prenait pas non plus énormément. Donc il y a eu un moment, une période où on était vraiment sur une grosse série de matchs sans prendre beaucoup de buts. On n'en marquait pas beaucoup, mais on était vraiment solide. Donc c'est vraiment cette année le point fort de mon équipe, ça a été la défense. Ouais. Clairement. Et après, bon voilà, l'attaque, on a eu un peu, on n'a pas eu de chance vraiment hein, sur. On a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois de tactique pour l'attaque, tout ça. Enfin, on a pas eu une vraie attaque toute l'année, toujours la même. Donc pour pouvoir avoir des joueurs qui s'entendent et qui savent jouer ensemble, ça a été compliqué, quoi. Ok. Jess, toi, t'as pas mal regardé. En plus, maintenant, tes fonctions t'obligent à regarder un petit peu ce qui se passe. J'en ai regardé pas mal. Il y en a un petit que j'aime beaucoup, bah, évidemment je vais te dire Malikas, mais j'en montrerai un, mais franchement Malikas très très fort. Après pour moi la meilleure recrue qu'ils aient fait Thunder, c'est Freddy. Ah oui, le Danois. Freddy me régale. Chez Thunder, ouais, globalement les offensives chez Thunder, franchement c'est très fort. Toi même Saken, il fait vraiment une bête de saison. Ah, meilleur passeur de la conférence. Ouais, il fait vraiment une bonne saison et tout, il a de l'influence sur le jeu et tout, c'est vraiment pas mal. Après il y a eu qui ? Il y a eu aussi Yanezia. Ouais, l'attaquant de XIV. Ouais, l'attaquant de XIV, il joue dans... Bon, après, c'est pas mon football, quoi, mais Yanezia, je le trouve assez intéressant. Après, bon, bah, évidemment, chez Sam Crow, il y a LCS. Hein, LCS, dans les petits espaces... Ah, Lucas... Après, j'ai beaucoup parlé moi personnellement de Sam Crow, mais à savoir que Sunderhawk, pour le peu de matchs qu'on les a joués avec SNM, c'est en fait Sunderhawk et Sam Crow, c'est deux équipes différentes. Sam Crow, c'est une équipe qui va être là, qui va être présent dans tout le match et qui va te faire souffrir. Et autant Sunderhawk, c'est une équipe de gladiateurs. Clairement, quand on les joue, on voit clairement que les mecs, ils sont là, ils vont te presser jusqu'à la mort et ça va être jusqu'à la mort. Quoi. C'est vraiment offensivement, ils ont une équipe hyper, hyper, hyper redoutable offensivement, tu vois. C'est un peu football, après, c'est un peu le football total, c'est ça, Sunderhawk. Ouais, ça ressemble un peu à un style Ajax, tu vois. C'est vraiment une équipe qui va t'étouffer, qui va t'étouffer, mais jusqu'au bout, quoi. Ça va être jusqu'au bout, jusqu'à que tu craques. Ouais, c'est beau. Jess, t'en avais encore d'autres choses. C'est la seule équipe que j'ai vue. Bon, après, bien sûr, Sam Crow, hein, c'est une équipe qui gère énormément. C'est une équipe qui est super bien en place. C'est vraiment, on va les jouer. Les mecs, ils respectent tous leur poste. Ils sont là, ils sont costauds, vraiment costauds. Mais Sunderhawk, ouais, c'est vraiment une équipe de mecs qui vont être là pour tuer le match, quoi. Ouais, Sam Crow a perdu une fois hein, cette saison, 6 nuls, mais une seule défaite, 14 buts encaissés pour les hommes d'Anna. Jess, t'avais encore d'autres joueurs qui t'ont marqué cette année ? Ouais, le petit LSK. LSK, DNSN, ouais. DNSN, c'est le vrai mot offensivement, c'est le seul qui sort un peu la tête de l'eau. DNSN, il a vraiment un truc en plus. Ah, j'en ai vu des pas mal, j'en ai plein d'autres. Ouais, c'est quelques joueurs offensifs vraiment impressionnants. Après défensivement, nous, à part nos deux dernières semaines, on était monstrueux. Hein. Ah bah oui, parce que Nantes, c'était un but encaissé en 20 matchs quand même, sur les 20 premiers matchs de la saison. Et après, mentalement, tu connais les délires, tu vois, tu sais comment ça marche. Quand t'es comme ça, t'es dans un truc où tu commences à avoir la pression et tu sais que le plus dangereux, c'est le moment où ça va craquer. Et regarde, on voit le truc, hein, depuis que ça a craqué, on a encaissé, je sais pas, 6 ou 7 buts là en 2 semaines, tu vois. Ouais, beaucoup plus en... Alors, je voulais regarder justement ce que ça donnait sur la conférence Saphir. En plus, quand j'ai en caisse, c'est on donne, en fait. Surtout ça, on s'est mis à donner des buts. La différence, elle est là, en fait. C'est qu'avant, on donnait pas de buts. Et là, il y a que des erreurs, beaucoup plus d'erreurs individuelles. Le travail, il est plus fait, quoi. Donc, au final... Est-ce que tu penses qu'il y a pu aussi avoir à un moment donné juste une déconcentration du fait que la qualif en tout cas était déjà assurée ? Non, je pense vraiment que déjà il y a un truc je pense qui fait du mal à mon effectif, c'est les futurs le week-end. Ouais, tout le monde arrive rincé. Ils sont éclatés de ouf, tu vois. Tout le monde arrive rincé. Après, entre temps, il y a eu des football managers qui sont sortis, il y a eu d'autres jeux, et donc les mecs ils commencent un peu à se,
à se tricoter. Ça fait moins d'efforts. Ouais, tu vois, c'est un simple. Ça fait moins d'efforts. On sent que ça fait moins d'efforts. Avant, il y avait l'excuse en disant ouais, devant, nanana. Mais là, en fait, ça fait moins d'efforts derrière. Ça fait moins d'efforts au milieu. On perd des ballons à la con. Et devant, bah, on est retombé dans des travers qui sont imbuvables, tu vois. Et donc, toi, tous ces trucs cumulés là, bah, tu peux pas t'en sortir, tu vois. Parce que là, au final, le match que tu perds contre Thunder, c'est pas trop grave. C'est pas là où on perd le titre, tu vois. C'est même pas le match qu'on perd contre MGFC qu'on leur donne des buts. Tu vois, c'est qu'on leur dit, prenez, tu vois. C'est la semaine dernière. La semaine dernière, on s'est fait braquer deux fois. Nous, on est parti braquer un match. Enfin, bref, tu vois, t'as tout un truc comme ça où, au final, ça fait du bien cette semaine, là, tu vois. Ça fait du bien cette semaine. Et puis surtout, c'est là où tu vois, où je pense, dans l'effectif là, qui est actuellement, bah, on manque de certains profils. On rappelle que les effectifs sont bloqués entre guillemets, on peut plus recruter là pour les playoffs. Il va falloir finir avec ces soldats, et un soldat, il y en a un qui doit être content là, qui est arrivé dans le vestiaire, et il a toujours en claquette, mais il est là, le président de XIV eSport, Mehdi, qui a dû être fêté comme il se devait par son effectif dans les vestiaires. Il arrive saut à champagne sur la gueule pour Mehdi. Et non, il est reparti d'ailleurs. Du coup, il s'est dit non, c'est trop. Attends, parce que je sais que comme j'avais eu beaucoup de monde à mon nez, j'en avais mute certains. Non, voilà, Mehdi, il est là. Il est là, non, Mehdi. Je suis là, les gars. Je suis là. Alors, ça fait plaisir, hein. Mec, ah, il est là. Oui, il est là. Parce que franchement, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que voilà, personne nous attendait là, clairement. On va pas se mentir. Et je crois qu'aujourd'hui, là, on finit quoi? On finit 5e. Vous finissez 5e, ouais. Ouais. Devant les anciens, ça fait plaisir, clairement. Voilà. Ouais, ça s'attendait pas, franchement, au début de la saison. Et après, voilà, au fur et à mesure des matchs, on voyait qu'on y arrivait. Et au final, bah, voilà, on est qualifié. Ça fait plaisir. Vous êtes en plus leader, si je ne dis pas de bêtises, d'une ligue VPN. Exactement. C'est ça. Donc, je crois que c'est Downs eSport qui est juste derrière vous. Donc, en fait, pour l'instant, c'est une saison qui est réussie pour XIV. Bah ouais, clairement. Hein. On s'est engagé principalement sur UEFA. On s'inscrit aussi sur notre compétition. Bah voilà, pour les joueurs qui jouaient pas et pour personnes effectives, etc. Bien sûr. Puis en fin de compte, bah on s'est rendu compte que on avait nos comment dire. On avait, ouais, vous avez vos chances, quoi. On avait nos chances à jouer, quoi, tout simplement. Alors qu'au début, franchement, bah, voilà, c'était un nouveau projet, etc. Le temps de se lancer. Et franchement, on n'imaginait pas qu'à la fin de la saison, on allait finir à cette position-là. Et au fur et à mesure des matchs, franchement, on voyait que, bah voilà, on était là, on s'imposait dans les matchs. Même si on était critiqué, clairement, on nous a critiqué. On nous a dit, voilà, ça met le but, ça met ceci, cela. Mais au final, un but, ça n'arrive pas à 5e de conférence émeraude. Et on est présent en play-off, ça fait plaisir. Et vous allez jouer le premier match le premier tour là. Alors on rappelle quand même que les play-offs se jouent en best of five, hein, les amis. Donc ça va être un format complètement différent maintenant, peut-être nouveau pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous. XIV va donc jouer contre le 4e de la conférence Saphir. C'est Upside Down. Voilà, Never Back Down. Ouais, parce qu'ils ont un nom assez long, donc c'est Upside, c'est en haut, en bas, on revient jamais en arrière. Mais voilà, c'est comme une danse en fait. Et donc ils ont fait danser tout le monde justement sur la fin de saison. Toi, comment tu l'abordes ce tour de playoff en fait? Comment vous allez l'aborder avec XIV? Bah, déjà, je pense que déjà tout le monde est content. Voilà, on est qualifié, etc. Comment j'ai fait mon club, j'ai mon directeur sportif, j'ai mon coach. Tout le monde, on va se réunir, on va parler et on va envisager la suite tranquillement. Quoi. Pour l'instant, on pense pas tout de suite au prochain match. Là, déjà, on est dans le moment où voilà, on est qualifié, ça fait plaisir. En plus, 2 victoires ce soir. En plus. Franchement. On ne pouvait pas espérer mieux, quoi. Donc le coach, donc là, on va savourer tranquillement le directeur sportif record le coach Neza. En plus, il fait une superbe saison, franchement. Tous les joueurs, moi je tiens à féliciter tous les joueurs, parce que franchement, que ce soit la défensivement, on était présent au milieu, c'était fort aussi, et à la fin aussi offensivement, on avait nos armes, quoi. C'est pour ça qu'on gagnait le match. Ouais, et vous avez euh...
Vous avez aussi recentré, je crois, Records en milieu offensif, alors qu'il était plutôt milieu de côté. Et je pense que, enfin, moi, pour avoir vu le contenu des matchs, c'était pas mal du tout. On va faire une toute petite pause, les amis, de 2 minutes, parce que j'ai une nouvelle supportrice qui vient d'arriver dans mon studio, qui a 2 ans et demi et qui vient de se lever. Donc voilà, on va faire une toute petite pause. Jeff, si t'as envie de poser des questions, il y a Malikas qui vient d'arriver, tu l'as cité tout à l'heure comme étant l'un des meilleurs joueur de cette saison pour toi. Donc j'ai de la fièvre, là je vais aller me coucher surtout. Est-ce que tu peux tenir juste 2 minutes le temps que je revienne, le temps de faire le... Allez, c'est gentil. À tout de suite les amis. Bon alors, Malikas, t'es là? Il a laissé le live allumé en plus, ouais. Mais bravo déjà pour ce soir là. Pour ce soir, pour toute votre saison même. Ah bah t'as pas à être désolé frère, tu sais, quand on te donne... Donner, c'est donner, tu vois. Donner. Ouais. Du coup, c'est la pause, là, c'est ça, là. Ouais, mais là, il est toujours en live. Je crois que c'est... Il y a qui est arrivé aussi, il y a Tatal qui a le micro coupé. Et là, Maldine. Oh, Jesse Jackson, bien ou quoi? Oh, Tatan. Oh, mec, je te dis, là, je vous le dis tous, l'extra time va arriver. Je peux te dire, Jesse, surveille-le, c'est pour toi, hein, c'est cadeau. Tatan, le supporter numéro 1, comment ça va? Ah, ça ou quoi? Tranquille. Alors, tu réponds à Yestud comme ça? J'attendais, hein, je suis déçu, là. Comment ça? On est toujours en live, hein, au cas où. Hein. Je sais. Ah ouais? Ouais, on est en live, les gars, ça va arriver. Je suis là. Merci d'avoir fait la jonction, les amis. J'ai même pas entendu ce qu'a dit Malikas, du coup. Bah, personne n'a entendu, tout le monde lui a coupé la parole. Tout le monde voulait parler avec Malik. Alors, Malik, quand même, numéro 1 de la draft. Je sais pas si je l'ai assez dit ce soir ou assez dit pendant la saison. Qui va peut-être, probablement, en tout cas, concourir pour le titre de meilleur rookie de l'année. Qui, en plus, va pouvoir concourir pour plein de trucs, je pense, la team of the season, la team des team of the week. Malikas, donc, allez, moi je vais poser ma question. Première saison sur EFA, qu'est-ce que t'en as pensé? Quel est ton bilan, toi, sur cette saison régulière? Pour moi, il est excellent. Il est excellent, ouais. Vas-y, si tu peux développer un peu, si t'es chaud. Après, on peut toujours faire mieux. Bon, je suis un peu timide, je vais pas parler à et tout. La fin de saison pour dire un petit mot. Mais c'est gentil, en tout cas, c'est adorable. Et petite rectification, le meilleur passeur, c'est moi, c'est pas Saken, désolé. Ah, bah alors, il était meilleur passeur juste avant les 2 derniers matchs. T'es peut-être repassé devant, là. Je crois que vous étiez à 12-12, je crois. Ah ouais, vous étiez meilleur passeur, je crois, ex aequo, juste avant les 2 dernières journées. Avec les buts qu'ont marqué le Thunder. J'ai perdu mon titre de passeur, là, putain. Il voulait me mettre sur le banc pour être passeur. Ah bah oui, forcément. Je lui disais, fais des appels, là, parce que je voulais pas qu'il fasse des passes, je voulais juste qu'il marque des buts. On vient d'arriver, c'est celui qui parle, qui est content, qui a une voix claire, qui est beaucoup moins... La dernière fois que je t'avais eu en vocal, Saken, c'était après la finale de la Zibetra Cup, où vous vous étiez fait sécher en best of 3 contre Dim, et où j'arrivais à peine à entendre le son de ta voix, là je t'entends super bien. C'est parce que j'ai investi dans un casque aussi. Ah, ok. Alors Saken, vous avez fait le braquage sur les 2 dernières journées. Ah, tout s'est passé comme on le voulait. Un plan qui se déroule sans accro, c'est ça? C'est ça. J'ai vu en plus que tu avais mis un petit truc là, dans la journée, c'est que j'ai les yeux partout, hein, avec un petit bravo pour votre titre. Ouais, ça, c'est Nancy, du Mourinho, ça. Sur la page ça, c'est du Mourinho, ça, les gars. Ça, c'est du Mourinho style, hein. Magnifique. Je l'ai trouvé magnifique avec les petites flammes en plus, genre GG et tout machin. Vous avez fait une belle saison, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, cette saison pour toi, Saken, comment elle a démarré? Chelou, elle finit en trombe? Non, on a perdu des points par-ci par-là en fait. Au final, on n'a pas eu une mauvaise période, on a été assez constant, je trouve, juste en perdant des points sur quelques matchs. C'est surtout au niveau du jeu où on a vachement une progression par rapport au début. Je trouve que là, c'est plus fluide, il y a plus d'automatisme, etc. Mais t'as pas mal remanié ton effectif quand même au cours de la saison, hein. Il me semble, non? Ben, Non, ça va en fait. J'ai des joueurs qui ont arrêté en fait, que j'ai dû remplacer, poste par poste.
Jesse parlait tout à l'heure de celui qui trouve, qui vous a fait beaucoup de bien dans l'équilibre, c'est Freddy, le Danois. Ouais, Frégis, ouais. C'est bien. Alors, vous communiquez comment? T'as un bon anglais, toi, ou tu parles en danois? Comment vous faites? Bah t'as pas besoin de communiquer. Bah, non, t'as pas besoin de communiquer avec lui puisqu'il il respecte le football, donc voilà quoi. T'as pas besoin de lui dire ce... T'as pas besoin de lui dire ce qu'il doit faire. Mais oui, quand je dois lui parler, je lui parle en privé en anglais. C'est comme ça. C'est bon ça. Alors, est-ce que vous avez vu le tableau des playoffs, Non, les amis? j'avais Non? plus de batterie, je viens d'arriver là, j'ai rien vu du tout. Alors, J'ai 47 messages sur Discord là, je vais je vous suis le dans de... je le. vais vous le donner. En tout cas, je vous l'ai mis là sur le live, et puis vous l'aurez sur Discord. Le Thunder est dans la partie haute, donc avec Best Two, exempté du premier tour, et Thunder rencontrera le vainqueur de l'APES contre Imatters. Voilà. Ah d'accord. Ok. Donc beaucoup de Ah je gens, je voulais. pense, Je pensaient que voulais t'allais pas être. jouer contre la peste, mais bon, tant Bah, pis. alors c'est pas fait, hein. C'est l'APES contre Imatters. Tu préfères jouer qui, du coup? C'était ma prochaine question. Je sais pas du tout. Franchement. Malik, toi, t'as une préférence? Notre pire adversaire, c'est. D'accord. Donc, faut pas que vous fassiez un mur ou un jeu allemand, quoi, c'est ça? C'est deux équipes qui défendent bien en fait, et nous on n'aime pas trop les équipes qui défendent bien. Ok. Et à votre avis, du coup, qui va passer entre les deux? Entre la peste et Ah, c'est Imatters? C'est dur. compliqué hein, parce que là, la peste, je sais pas ce qu'ils ont fait ce soir, mais. Je crois qu'il y a eu un 2-2 contre Ubiteam, il me semble. La Oh, peste, c'est il passe crade. à l'expérience. Là, il devrait passer à l'expérience, la peste. Vous pensez à l'expérience. Ok. Ouais, l'expérience, ça va jouer dans les playoffs, ça c'est sûr. Après, Et ça vous donne Imater, quoi? c'est une belle surprise, Imater. Hein. Franchement, ils jouent avec leurs armes et ils s'en sortent, quoi. Alors oui, c'est pas le football que j'aime, mais voilà, faut respecter le coach et sa tactique, et ça marche. Ce qu'ils font, ça marche. C'est pas beau, mais ça marche. Il va peut-être arriver d'ailleurs notre bon Oh Azé. Ben non! voilà, regarde, il est là, il est là, il entendait, il écoutait derrière la porte, Azé, et il est là. Et coucou Azé, on était en train de dire Salut à que tous, ça y ton est. équipe jouait le bus. Bravo. Bon, déjà bravo, hein. Bravo pour la qualif. Merci, merci. Toute la semaine, Comme ça. Azé, pour ceux qui n'étaient pas présents sur le Discord, toute la semaine, Azé, dans ses messages, ça tremblait un petit peu quand même. On sentait qu'il y avait une grosse pression, une grosse chape de plomb au-dessus de vous. Ah, j'ai vécu ma pire semaine. J'ai perdu contre Always Back Down déjà. Ça, je l'ai mal. Et voilà. Après, j'ai mis le bus que contre Nantes, hein, perso. Saken, tu m'as mis 7 buts. Si je mets le bus, c'est que tu mets 7 buts. C'est vraiment que je suis nul. Hein. Ouais, je parlais plutôt par rapport à Nantes. Ouais, Parce que Nantes, normal. On a mis j'ai vu 1-0 les à la mi-temps. réactions. J'ai vu les réactions. On a mis 1-0 à la mi-temps. Tu bougeais. Alors, Azé, les experts disaient que vous aviez même ramené deux bus. Est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'on en a essayé. Mais bravo, en tout cas, moi, ces histoires de bus me font doucement rigoler. Est-ce que tu as vu le tirage, donc, enfin, c'est pas un tirage, hein, Je c'est. joue la peste tous les anciens, non? Voilà, tu joues la PES qui a terminé quatrième de la conférence Émeraude, et le vainqueur de la PES Imatters rencontrera Thunderhawk. Donc a priori une équipe que t'aimes bien qui t'en a mis 7. D'accord. C'est... J'ai encore jamais battu Saken et je tape la peste. Ah, C'est un beau challenge. faut une première atout. Les gars, ça vous inspire quoi les matchs en playoff? Donc Saken disait prime à l'expérience. Qu'est-ce que t'en penses toi, Azé? Non, sur 5 matchs. 5 matchs, ouais, parce que c'est long. Et le premier à 3 victoires, mais tout est faisable. Tu peux avoir une finale Imater Tick. Alors, j'ai pas entendu l'autre équipe, mais tu peux avoir une finale Imatters contre XAIV. XAIV, ils sont qualifiés, XAIV, Ils ouais. sont qualifiés, ouais, ils sont qualifiés. Ils joueront, eux, contre Never Back Down, justement, tes amis. C'est qui les qualifiés alors du coup? Alors, les qualifiés, je vais vous les refaire pour ceux qui arrivent et qui sont pas au courant. Donc, on a en Émeraude, premier Sam Crow, deuxième Bestou, troisième... Obsession Gaming, quatrième La Peste, cinquième XAIV eSport et sixième Les Anciens.
du côté de Saphir, ça donne Sunderhawk en tête devant Nantes, 3e NSN, 4e Never Back Down, 5e E-Matters et enfin 6e Alliance qui a tremblé jusqu'au bout et a dû avoir des slips. MGFC, ils sont pas un passés. Un petit peu mouillés. Ouais, MGFC sont tombés sur un gros Never Back Down qui a terminé la saison sur les chapeaux de roue et qui leur a mis, je crois, 3 ou 4-1 sur le dernier match. Mais bon, à la fin, le score est anecdotique parce que MGFC a tout donné. Et donc, les matchs, les premiers matchs qui auront lieu en play-off sont les anciens contre NSN, au meilleur des 5 matchs, la PES contre Immatters, au meilleur des 5 matchs, XCIV eSport contre NBD, au meilleur des 5 matchs, et enfin Obsession contre Alliance. Tous les matchs, alors on ne pourra pas vous montrer tous les matchs des Best of 5, mais on sera ensemble en stream, bien évidemment, pour pouvoir suivre l'avancée de ces playoffs. Et la finale est prévue pour le 16 décembre. Qu'est-ce que vous allez faire, vous tous, là, pendant la semaine de relâche, là, entre la fin de la saison régulière et les playoffs? Ça joue ou ça se repose? Nous, il n'y a pas de relâche, nous, il y a VPG. Hein. Ok. C'est top, hein. Ouais, VPG premier. Pour, ça donne quoi d'ailleurs pour vous, VPG premier, Saken? On a repris un slot 17ème, là on est 14ème, je crois. Ok, bon, c'est pas mal. On va essayer d'aller chercher le top 8 parce que c'est top 8 où tu gagnes un petit peu de sous. Ça pourrait nous payer les licences. Ouais. Exactement. Exactement. Ok les amis, on me dit dans l'oreillette, c'est Misa qui me dit Tatane est prêt, et on va lui... mais d'ailleurs il est dans le vestiaire avec nous, Tatane. Tu peux dire un mot cher, nous sommes prêts. Tu bougeais pas, t'étais en apnée et tout, tu voulais rien dire. Attends, je vais pas recadrer le grand Yestude. Ah bah non, mais c'est chez toi ici, c'est la web télé. J'ose pas. Tu es le manager de la web télé. Les amis, on vous remercie tous. Il y a juste un tout petit... un petit coucou de Neiza qui ne trouve pas le vestiaire. Ah merde. Et ouais, c'est le problème de Neiza. Hein. Neiza il cible tout, mais par contre, dès qu'il faut commencer à savoir où est le nord, il sait pas. Il panique. Alors attends, hop, on est où? Je le mets sur la voie, t'inquiète. Et on va attendre parce que. Alors Tatane, tease-nous un petit peu, ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien écoute, pour le retour de l'Extra Time, déjà on va faire un petit retour sur ce que c'était l'émission, on va voir pas mal de résumés ce soir, c'était les journées 29 et 30, on les a vus avec toi, et notre invité c'est Mehdi de XCIV, bon, génial, c'est pas grave. Génial, bah super, c'est terrible. Ah bah il est arrivé Neiza. Neiza, on va finir avec toi, on va clôturer avec toi juste avant de passer sur l'Extra Time, bravo déjà pour cette qualification en playoff. C'est mon coach. Salut les gars, salut tout le monde. Salut Neiza, et bravo aussi pour ta saison. En tout cas régulière, qui est aboutie. Pas mal de coachs, et déjà Jesse en parlait tout à l'heure, il soulignait ta très très grosse performance sur la saison. Qu'est-ce que tu as pensé toi de cette année? Et on terminera là-dessus, Neiza. Je suis désolé, on n'a plus beaucoup de temps, mais on terminera là-dessus. Moi je suis content, en tout cas l'objectif, Mehdi l'avait annoncé en début de saison, avec un peu, ça avait fait un peu rigoler tout le monde, en disant qu'on allait finir top 6. Au final on aura tremblé jusqu'à l'avant-dernière journée, et on est en play-off, après le reste c'est que du bonus. C'est que du bonus. Allez, bah, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Juste avant, je vais tirer, il y en aura deux des vainqueurs de ces tickets à 5 euros. Le premier, c'est Boest 11 de la peste. Voilà, Boest qui prend une carte PSN à 5 euros. Et on a dit qu'on allait en tirer un autre. Vous pouvez y aller. Et c'est Nex. Ben voilà, il a fait les tableaux pour les playoffs et il est récompensé d'une carte PSN 5 euros. C'est magnifique. Ça ne sortira pas du budget de Misa. Enfin, ça sortira d'un autre poste. Voilà, les amis, je vous laisse en très très bonne compagnie avec Tatane, le grand retour de Tatane. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Rendez-vous très très vite sur les chaînes de FA pour moi et tout de suite avec Tatane. Bisous. Ciao. Normalement, je dois lancer un truc. Il est là.